vous parle d'une boîte. Cette boîte. Pas n'importe quelle boîte, hein. C'est une boîte Shenbox. Ça y est, ça fait un an. Un an maintenant que Shenbox est sorti, que chaque mois on a une boîte mystère avec bah, du coup des choses dedans. Alors ça c'est la nouvelle version, là, parce que la Shenbox 2.0, c'est comme ça que je l'appelle. Et dans cette Shenbox, il y a quelque chose de spécial. Il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'en fait il y a tout sur la table. J'ai réuni ce qu'il y a sur la table, tout ce qu'on a eu dans les box pendant un an. C'est pour ça que c'est vide. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette récap. Alors, il y a pas mal de choses comme vous pouvez le voir. J'essaie de réunir à peu près les petites choses entre elles. Alors, il y a des choses qu'il n'y aura pas, pour deux raisons qui sont évidentes et simples, c'est que dans les Shenbox, chaque mois, on a des boosters. Et ces boosters-là, ils sont ouverts et je peux pas les désouvrir. Enfin, voilà, vous avez compris. Du coup, ben, il n'y aura pas les boosters. Mais ils vont s'afficher là. Voilà, on va faire un petit montage avec tous les petits boosters qui apparaissent. Voilà, voilà, comme ça vous savez tout ce qu'il y a eu dans les Shenbox. Et on va enchaîner avec le reste. Parce qu'il n'y a pas que les boosters dans la vie. Il y a les goodies aussi. Par quoi est-ce qu'on commence? Moi, j'ai envie de commencer en disant un grand bravo aux artistes. On a eu le droit, du coup, à des magnifiques illustrations. Alors, que ce soit... On va essayer de les faire dans l'ordre croissant. Hop, voilà. Inner Glitch pour Halloween qui nous a fait une magnifique magicienne des ténèbres. Magicienne sombre, avec un petit corribo spécialement pour Halloween. Pareil, pour Noël, on a eu du coup la magicienne à nouveau avec un petit Kuribo. Sinon, on avait le petit Kuribo Ren. Là, on avait le petit Kuribo chauve-souris. Ensuite, on a eu Bananashi qui nous a fait, pour la Saint-Valentin, un petit Jaden et Alexa avec, pareil, un petit Kuribo. Et là, du coup, pour la Shenbox spéciale magicien sombre, une illustration de Bananashi, ici aussi, magnifique, du coup, du magicien sombre. Donc on a eu quelques petites illustrations magnifiques qui peuvent aller dans les décos, tout ça, qui sont des petites choses vachement sympas, vachement jolies, qui vont facilement bah, faire plaisir, on va dire, c'est le petit truc, voilà. Mais c'est pas tout, parce que ces artistes, ils ont aussi fait du... des autocollants. Et moi, je suis friand d'autocollants. Nurgish, par exemple, vous avez fait une magnifique magicienne qu'on a eu dans la première Shenbox. On a aussi du coup de Merglish le marque-page Toon avec le Ojama, le petit Yugi, et dans le dernier c'est Lola Cactus qui nous a fait, voilà c'est un cactus tatoué, donc c'est Lola Cactus qui nous a fait du coup Yuya avec les potes artistes qu'on a eu du coup dans la chaîne box du mois d'août sur le thème du cirque, puisque bah, Yuya, le cirque, tout ça, vous connaissez. Mais aussi, oui, parce qu'ils ont fait plein d'autres choses, autrement que des illustrations, on a aussi des choses un peu plus... je vais y retravailler, mais en vrai ces illustrations ça demande du travail autant que les autocollants. C'est juste qu'à mes yeux, un marque-page, c'est un truc. Moi j'aime bien lire, je lis jamais. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et du coup un petit marque-page Yugi, ben, c'est le petit truc qui fait plaisir. Je range au fur et à mesure, c'est cool. Ensuite, on a eu aussi de la part de Lola un petit bloc-notes. Alors, pour info, je l'en ai déjà utilisé une ou deux pour prendre des notes. Bah, c'est le principe d'un bloc-notes, voilà, un magnifique bloc-notes, donc c'est cool, Toon World. Lola Cactus qui nous a fait pas seulement du coup des petites illustrations, mais qui a aussi travaillé sur des pins, un petit pins magicienne des ténèbres. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je ne sais plus à quelle date. Alors, le pins magicienne des ténèbres, alors il me semble que c'était... Pins ou Giggle, ne sais pas ça... Être plutôt non, avril février non je ne vois pas porte clé perso Yu-Gi-Oh! Ah si en janvier, ok, la cactus nous a fait ça en janvier, d'accord, j'ai dû noter tout, j'ai dû revoir tout pour rappeler tout parce qu'il y a des trucs aussi, donc il y a les boosters qui n'y a pas, ça je voulais préciser, et les cartes aussi. Il y a certaines cartes qu'on a eu dans les Shenbox, notamment, bon là j'en ai deux du coup, j'ai la Chimère Fourreur et le Performapal, son fiche qui était du coup dedans, mais c'est tout, en fait c'est tout, c'est toutes les seules cartes que j'ai. Ah non, il y a le Jacobalan aussi, il y a le Jacobalan qui était du coup pour Halloween. C'était les cartes promo qui avaient été offertes, dedans de temps en temps on avait une ou deux cartes offertes. Du coup Lola Cactus nous a fait ce pin-là.
Alors, je sais pas si c'était elle ou si c'est un officiel, le Kaiba. Je crois que le Kaiba est un officiel, donc je veux pas dire de bêtises. Il me semble que le Kaiba c'est un officiel. Là, pour le coup, je préfère faire ma gueule. Pour le coup, je me tais. Voilà. Donc, autrement dit, on a eu vraiment des choses vraiment, vraiment bien foutues par la communauté. Mais pas seulement. Puisqu'on a eu le droit du coup à des Field Center, notamment celui-ci fait par Card Creative, qui est vraiment un des plus beaux. Il est même, franchement, voilà, là à côté vous avez l'officiel. Je trouve franchement que celui de la Magicienne des Ténèbres est carrément, carrément plus beau. Il n'y a pas photo. Donc voilà, pour les Field Center, on a eu des petits Field Center. On a même eu d'autres Field Center officiels qui ont été mis en cadeau. Donc moi j'ai eu cela, c'était un peu aléatoire ce qu'il y avait. Au niveau des Field Center, donc en carte promo, il y a aussi eu les cartes promo du pot qu'on a eu, si je ne dis pas de bêtises, juillet. Oui, c'est ça, Shunbox de juillet. Donc voilà, les cartes promo qu'il y avait dans du pot. On a aussi eu un deck de démarrage, le briseur de code. C'était la grosse surprise, le briseur de code, parce qu'on s'attendait pas à recevoir un deck. Franchement, dans une chaîne box, recevoir un deck, c'est un peu la surprise. Là, j'avoue. Bon, merci. Alors, attendez, je vais rassembler d'autres trucs, parce qu'il y a plein de trucs que vous ne voyez pas qu'il y a. Et je pense qu'on va continuer avec les petits jetons. En jeton officiel, du coup, on a eu le Pins Badge officiel Yugi. Donc voilà, le pins officiel Yu-Gi-Oh! Avec Yugi dessus. Aussi, le game Flip Coin. Yu-Gi-Oh! Game One Flip, donc go on off. Pile face. Et les deux Limited Edition, du coup Kaiba et Joey, c'est ceux que j'ai eu. Genre, je sais pas si c'était. Si, voilà, c'est ça, c'est limité à certains exemplaires. Et on a réussi à les avoir dans les chaînes box. Donc ça, c'est quand même vachement, vachement cool. Donc le Kaiba et le Joey, voilà, c'est des trucs de malade. Franchement, dans chaînes box, on a eu que des trucs de malade. En porte-clés, un petit porte-clés du coup, pot de cupidité qu'on a eu pareil au mois de juillet. Le box du mois de juillet, franchement, ça a été une belle box. Toutes les box, c'était belle. En porte-clés, oui, aussi, j'ai oublié, c'est vrai que c'est important. Alors, c'est mis sur les clés de maison, j'ai mis sur les clés de voiture, mais un petit Yusei. Bon, il a commencé un petit peu à prendre des coups dans la tronche, mais ça va. C'est pour ça qu'après, j'ai pas accroché les autres. On a aussi tous les petits personnages, Yugi, Uya, Yusei, Jaden. Bref, ils sont tous là. Je vais les ranger, mes clés de voiture, je vais les poser. Un petit collier, du coup, Kuribo, qu'on a eu aussi. Hein, pareil, édition limitée, hein, le petit Kuribo. Alors. Par contre, pour le Kuribo, c'est la couleur du jeton Kuribo. Enfin, c'est un Kuribo. C'est Fantôme du Grenier, normalement, que la carte s'appelle avec cette couleur-là. Mais je sais pas pourquoi Konami aime bien des fois se dire que bah, c'est un Kuribo, etc. C'est comme ça. Des petits pins. Alors, j'ai deux fois le même. Alors, faut savoir que de base, j'en avais un différent et je l'ai échangé avec Marine. Dans le tout premier pins que j'ai eu, j'avais eu Yugi tout seul et Marine avait eu les trois. Et je voulais les trois, du coup Marine ça ne dérangeait pas d'avoir Yugi, on a échangé, et du coup dans deux, je crois qu'il y a une autre chaîne box, on a eu deux pins et j'ai eu celui-ci en double. Ce doit être ça l'histoire de pourquoi j'ai les deux mêmes. Là c'est un truc dans le genre là. Un pins Kaiba Corp. Donc voilà, un pins avec Kaiba dessus. Super cool. Il a été ouvert parce que j'avais besoin pour une vidéo. En les suivre, on verra après, parce que les sleeves, le problème c'est que je ne les ai pas toutes. Là que j'ai utilisé dans pas mal de decks. Donc les sleeves. Par contre, les deckbox, on a eu du Dragon Shield, on a eu même du Ultimate Edgar, mais en mode grosse boîte avec du rangement en dessous pour pouvoir mettre les dés et compagnie. Donc vraiment un truc top quali, franchement là-dessus, génial. Une grosse boîte, pareil, Dragon Shield, une grosse deckbox, des deckbox aussi ultra pro. Donc on en a eu quelques-unes, pareil, qui sont utilisées. C'est vrai, la dernière Dragon Shield, je ne l'ai pas encore rangée, donc voilà, encore une autre Dragon Shield. Même un petit portfolio Ultimate Guard, alors que j'ai utilisé, j'ai mis dedans Fusion Préparée et... Ah oui, Arme Enflammée, du coup, c'est les dernières cartes que j'ai eues qui cotent un petit peu, que j'ai mis là-dedans. Allez, c'est le moment de flex. Ah oui, c'est vrai, on avait eu ce truc-là, alors je sais toujours pas quel nom ça a, ce machin-là, mais c'est pour mettre votre badge. Vous allez en convention, mettez votre badge, ou même pour le boulot, hein, pourquoi pas.
Vous mettez ça où vous voulez. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Après, les petits présentoirs Yugi et Magicien Sombre, alors que Marine n'a normalement inventé et qui sont derrière moi. Voilà, alors ce sera beaucoup plus joli. Ah putain, en plus ça semble entre eux. Ah non, je ne sais pas les opposer. Ok, c'est ça, superposé. Donc voilà, ils ressemblent à ça, si vous voulez voir. Monté, une fois monté, etc. Ils sont vraiment beaux. Comme ça, petite cam. Voilà, hein, ils sont beaux. Hop, on va les reposer là avant de faire des longues. Donc voilà les deux petits présentoirs qu'on a eu. Moi je garde ça sous scellier parce que je le revends après à prix. Non, je déconne. Je le garde juste parce que c'est pour la collection. J'ai pas envie de les abîmer, j'ai pas envie de les perdre tout ça. Donc je les garde comme ça. Un des plus beaux trucs, et c'est vraiment été mon coup de cœur, ça a été le portefeuille Kuribo. C'est pas un produit commun. Juste pour ça, un portefeuille. Enfin voilà, c'est Kuribo. Donc ça c'était banco. Autre chose, les peluches. Alors ça, l'habitude de vous dire que moi qui suis fan des peluches, pour ceux qui suivent mes lives, j'adore ça. Il y en a plein là à côté, vous ne voyez pas, mais voilà. Donc du coup, Yugi est ouvert. Yugi, j'ai pas encore ouvert parce que je rentre de vacances et du coup, je l'ai obtenu pendant les vacances parce que j'ai ouvert la chaîne box avec Sharon. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc, voilà. Les deux peluches, magnifiques, super belles. Ça fait énormément de produits, hein. Et il n'y a pas les boosters là-dedans. Il n'y a pas les boosters parce qu'il y a aussi des sleeves. Alors en sleeve, qui me reste, voilà, du coup, j'ai pas encore ouvert du coup les sleeves avec qu'on a eu au mois de juillet. Parce qu'avec ça, on n'arrive pas à trouver le nom du monstre. Ça doit être un truc du style Synchro X6 un machin là. C'est un monstre bizarre là, régulier. Alors ça, c'était quoi les sleeves garde. Je me demande si c'est pas les sur-sleeves du coup, celle-ci. Si, je crois que c'est les sur-sleeves. Je suis pas sûr, mais voilà. Il me reste encore des sleeves OCG. On a eu tout un tas de sleeves. Il me reste... Si. Hop, vous avez de la chance. On a eu aussi ces sleeves-là. Il me reste encore un petit peu. Mais on a eu encore ces sleeves-là. Et je me demande même si... Mais je crois que non. Après, les autres ont été utilisés. Ah, si. Ah. Il y a aussi ces sleeves-là, les violettes. Celle-ci, elle était vraiment magnifique. Alors, désolé, je sais, c'est juste parce que je monte comme ça. Là, on est gagné. Vous ne voyez pas, mais on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Voilà. Bilan. Sur un an de chaîne box, on a eu un total de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 17 boosters plus les boîtes. Alors moi ce que j'appelle les boîtes, c'est les trucs genre modifie pas tout ça et elles sont plus derrière. Alors je sais plus où est-ce que Marine dans un futur on les mettait là. C'est ma salle de stream, je sais même pas où mes trucs. Donc les trucs comme Movie Pack, dedans du coup, on avait du soulèvement de la fureur, Movie Pack et un pack du chaos. On a eu donc les trois, là où il y a trois boosters dedans dans le truc en bois, en carton. Donc déjà rien que ça. Et en plus de ça, ça fait un total de combien de produits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 58, 59. Un total de 59 produits. Oui, j'ai tout noté. 59 produits, mais dedans, j'ai compté... Alors, c'est pas un produit Yu-Gi-Oh, mais la petite marmite avec des bonbons dedans. Donc on peut dire 58, en fait. Autrement dit, 58 produits sans compter les boosters. Vous additionnez les deux, là, sur une année. Ça fait beaucoup. Donc... J'aimerais conclure en disant une chose. Merci Sharon pour tout le boulot que t'as fait. Parce que franchement, c'était démentiel. Et voilà, maintenant ça fait un an de chaîne box. Donc pour moi, après un an avoir testé les produits, les avoir découvert, tout ça, c'était vraiment quelque chose de dingue. Donc maintenant, il faut que je vous annonce. Du coup, bah, je vais continuer une année de plus. Ah non, mais si vous pensez que je vais m'arrêter... Non, par contre, les ouvertures vont être faites différemment. Attends, je vais m'amuser. Là, je voulais vraiment faire une année en mode sérieux, on liste tout ça. Maintenant, je pense que chaque ouverture de chaîne box, pas grave, si je n'ouvre pas en premier, on va faire un truc un peu plus thématique, un peu plus travaillé. On va voir ce qu'on va faire et on va s'amuser. Moi, j'ai l'impression d'être une secrétaire en mode... Et du coup, c'est sur une petite vidéo comme ça, de petite présentation posée à l'arrache sur le canapé, vous montrant à peu près tous les produits d'un autre angle de vue, avec pas tout, hein, j'ai retiré 2-3 trucs, que je vous dis au revoir à bientôt. N'hésitez pas, du coup, à...
vous abonner à la chaîne, à la chaîne, les petits pouces et tout ça. Je vous fais des gros bisous et voilà, regardez, ils se tiennent la main, ils sont gentils. Hein, ils sont gentils. Alors soyez comme eux, soyez gentils, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. À bientôt !